Salut, station fréquence, les bonnes surprises, c'est côté à vous tous de la part de Dandy 33. Et c'est parti pour le QSO national. Alors on est samedi 5 novembre 2016. Alors est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Les 73 Belphégor, j'ai entendu un Roger Bip de 7009 là qui traîne derrière aussi il me semble. Ok Christophe, les bonnes 73-51 à toi. Et il me semble avoir entendu aussi Beltoise derrière. Oui, bonjour Charlie. Et 73 Beltoise, c'est quoi déjà ton prénom? Je l'ai zappé. C'est pas Jean-Marie des fois, je sais plus. Jean-Claude, j'en étais pas loin. Thierry. Alors, c'est Claude, c'est pas Jean-Claude, GDSP, c'est Claude. Ça s'intéresse de tout le monde. Ben, Jean-Claude, c'est quand il est en couple. Voilà. Ah, il y a des monde qui arrive. Ah, ça, c'est Eric. Ah oui, je vois un signal. Oh, yeah, yeah, yeah. Eh, vous inquiétez pas, j'ai dit quelque temps, moi je vais mettre mon indicatif aussi. Je vois 73 tout le monde. La brouette, 73, qu'on vient le poil de mer, amitié, tout ce que vous voulez. Les gros bisous, c'est... Là, je crois que les gens ont un aperçu de l'ambiance du sud-ouest. Oh ouais, on nous reconnaît. Salut Rémi, 213. Salut à notre ami de la principauté de Saint-Louis de Montferrand. Salut aux coyotes et puis salut tout le monde. Je ne sais pas si avec d'autres personnes, ils ne le savent pas, bref. Oui, tu as aussi Belphégor là derrière. Ouais, ok Belphégor, je ne sais pas si tu m'entends, 73 à toi. Cette cacophonie hein, dès le début du QSO, hachi. Ah oui, tiens, pour en même temps, vu que là il y a des nouveaux, comme à chaque fois dans le QSO du canal 27, une petite vidéo là pour cette première demi-heure. La vidéo a pour but de donner envie aux autres départements de lancer aussi de leur côté le QSO, et puis en même temps de redynamiser la CIBI par la même occasion. Voilà, retour au Thierry pour faire rentrer, je sais plus, Belphégor ou Claude. Ok, ok, alors je disais à Claude, il parle en même temps que parle Jean-Marie, alors voilà, Eric a pas dû entendre, je sais pas. Ouais, voilà, moi aussi en même temps, je vous signale que je fais une petite vidéo, voilà, ce soir, voilà, c'est pour mettre après sur Playboy, bon voilà, et voilà, je ferme la parenthèse. vas-y Jean-Marie, là, Eric a pas dû entendre ce que t'as dit. T'arrêtes des conneries, ou tu me donnes ton oreille, voilà, pour la reste, pour la vidéo. Non, non, mais si, mais voilà, bonsoir à tout le monde du sud-ouest, du département 47, département 47. Non, mais moi j'attends tout le monde, et voilà, tout le monde, et vraiment, super bien, là, ça arrive bien. Allez, retour, lui. Ok, eh bien il y a justement là Claude là, qui est avec nous, la Beltoise, là de, comme il appelle ça, la principauté de Saint-Louis de Montferrand. Je vais faire un retour à lui pour voir si toi, Beltoise, tu entends Belphégor. Oui, salut à toi, mon ami, je ne me rappelle plus, mais je te connais très bien parce que t'es un grand ami. Mais je l'entends vraiment petit, ouais, c'est Belphégor, voilà, à qui tu viens de répondre, Beltoise. Après, si je passe sur la directive, ça peut-être que l'on est... Oui, mais... Aïe, 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 aïe. Je m'en petit, hein.
y a un blanc. Vas-y, le break. Ouais. Ah bah, il n'y a plus de blanc. Oui, en avant le break. Oui, bonsoir, les bonnes 73, tous ceux qui sont présents et qui m'entendent, donc tous les tours. Voilà, ici c'est 428, et bien ma foi, je vous repasse le micro, Rémi. Les bonnes 73 à toi, Daniel, comment vas-tu? Bon, et bien écoute, je reprends, sans laisser trop de blanc, ça va très bien de ce côté-ci, mais voilà, pas grand-chose supplémentaire. Ce matin, j'ai eu la chance de regarder la vidéo d'hier soir. Magnifique travail que vous faites, voilà, je venais à vous le dire. Je viens à te le dire plutôt, allez, je vais réduire. Au moins que ça nous permet d'arranger de notre côté notre modulation et ainsi de suite. Et on voit quand même le signal quand on arrive dans ta station, voilà. Félicitations, je l'ai découvert ce matin cette vidéo. Allez, je te repasse le micro. Et ma foi, comme j'espère que tout le monde m'entend, et bien au prochain passage, je leur donnerai le report à chacun que j'aurai entendu. Ok, bah c'est du 54 là de mon côté, bah tu pourras le voir aussi là, dans la vidéo. Et si tu veux voir toutes mes vidéos, ça risque de t'occuper pendant un bon bout de temps, parce que je dois en avoir quelque chose comme, je sais plus, ça doit tourner dans les 470, 480, un truc comme ça quoi. Donc il y a de quoi t'occuper pour les longues soirées d'hiver. Retour Daniel. Écoute, lorsqu'il pleuvra, eh bien, on regardera de ce côté-là, on s'occupera. Plutôt que d'aller dehors, voir se mouiller, eh bien, on restera dedans et on profitera. Voilà, allez, je ne me fais pas plus long. Je sais qu'il y a du monde, je n'ai pas entendu tout le monde. Et eh bien, ma foi, je leur donnerai le report quand je les aurai tous entendus. Allez, je te le repasse et tu fais tourner à qui tu veux. Ok, retour tiré. Ok, ça te prend, Daniel. Voilà, ça te prend à toi. Ça passe bien. Voilà, voilà. Impeccable, retour Eric, comme ça c'est plus vite, parce que comment tout le monde va se parler par-dessus. À toi Eric. Ok Daniel, 73, rebonjour, j'espère que tu vas bien, voilà. Mais là ce soir c'est difficile pour moi, hein. Je calque à peine Daniel, voilà, c'est vraiment beaucoup de cuir à même côté, ou alors mets un petit peu plus de confort. Je reprends, qu'est-ce que tu me demandes de me mettre du confort? J'ai pas le confort moi, et j'ai pas le moyen de me payer du confort. Je fais avec les moyens du bord, voilà. Ok, ben écoute, j'ai entendu donc Rémi passe 57 de ce côté-ci, dans le préamping, Coyote lui passe 55, et donc j'ai salué Eric 57. Voilà le report, au moins là, c'est fait. Et j'ai entendu quelqu'un d'autre, on verra bien. Allez, je relâche le micro, et au dernier qui m'a parlé, à toi Eric. T'as passé le micro, Eric. Ah ouais, j'ai trop de verbe ce soir, hein. Je vous en fais appel. Ok, Eric, il m'a semblé qu'il n'y a pas longtemps tu as testé un filtre. Tu ne l'as pas ce soir? J'ai pas compris, je suis désolé. Il t'a dit il n'y a pas longtemps que tu as testé un filtre. Il te demande si tu ne l'avais pas ce soir. Là, je suis désolé, même toi, je ne vous sors pas, je vous sors à peine, hein. Je ne comprends pas. Oui, je confirme, il passe petit, hein. Ah ben ouais, ben merde, voilà, ça commence, mais oui, voilà, c'est la merde, hein. À chaque fois, c'est bizarre, hein. Mais c'est comme ça. Eh oui, voilà ce que c'est que quand on habite comme ça, qu'on est beaucoup trop haut. En plus de ça, à côté de chez lui, il doit y avoir le stade là qui lui fout un peu la merde. Et ben oui. Non, on devrait y arriver. Mais il est où, Daniel? Écoutez, Beaupuy. Pardon? Qui c'est qui appelle Daniel? Ah, Beaupuy. Ouais, c'est-à-dire? Eh ben, tu fais un trou et puis c'est là où tu creuses. Ah, de mon copain de concubin par là-bas. Mike. Ah, attends, Jean-Marie. Bon, c'est bizarre, il devrait passer plus fort que ça d'habitude. C'est la propague de l'autre côté, là, c'est la merde ce soir. Ah, c'est la propague, c'est pas les QRM. Je sais pas plus, je vous laisse le micro. Je suis tout à fait normal. Plus
je reprends, dit Rémi, il y a eu une question de poser pour mon côté. Après j'ai entendu Jacques-Marie, que je lui ai dit qu'il attendait un petit instant. Rémi, y a-t-il eu une question de poser pour mon côté? Oui, affirmatif, tu as Beltoise. Claude, qui est sur Saint-Louis-de-Montferrand, qui demandait ton QTH. Ah, ok, donc j'ai entendu que ça parlait, mais je ne voulais pas faire intermodulation là-dessus. Donc les 73, Claude, sur Saint-Louis-de-Montferrand. Le report 53 de cette fois-ci, voilà, dans une très bonne radio. Le signal est très clairé, mais ce soir c'est mauvais. Voilà ce que je peux en conclure de mon côté. Voilà, après j'ai entendu Jean-Marie, mon petit voisin, là aussi. Donc, allez, je te repasse le micro. Ah, le QTH, c'est beau pluie. Bravo, écho, alpha, uniforme, papa, uniforme, Yankee, beau pluie. Voilà, donc au moins il aura tout. Il a eu le temps de noter et s'il m'entend correctement. Voilà. Allez, Rémi, je te le repasse. Ok, enregistrez le break. Retour de micro sur Jean-Marie. Et le break, tu pourras rentrer en suivant. Retour Jean-Marie. Ok, on oublie un petit peu en même temps Christophe de Langoiran. Oui, il y a eu un break. Retour sur le break. Bon, attention le break. Bon, c'est pas grave, retour de micro sur Christophe. Christophe, qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui? Ok. Ok, Christophe, toi aussi t'as de la merde de ton côté. De mon côté, moi c'est silence complet, quoi. Ok, Christophe, à plus tard. Eric, ça se calme pas de ton côté? Si tu réponds pas, c'est que c'est non. Salut Christophe. Salut Eric. C'est pas compliqué, il y a peut-être autre chose. Ah ben, de l'autre côté, c'est bloqué ce soir. Je l'entends, moi c'est pareil. Toi, t'as le temps, j'entends la principale chose de Saint-Louis-de-Montferrand, que j'entends super bien. Et alors, tous les autres, de l'autre côté, là, c'est impossible ce soir. Avec la merde qu'on a, la pompe à nous bloquer, c'est pas la peine. J'ai dit 428, je dois le couper. Ah ouais, j'ai compris. Et pourtant, moi, je l'entends bien, Beaupuyer. Il est à Beaupuyer, c'est à côté de Barbaz, ça. Il est très, très, très mauvais, là-bas, d'ailleurs. Oui, mais t'es pas en centre-ville, toi, là, en principauté, là. T'es retiré, là, de ta campagne aussi, voilà. Mais nous, sur la centre-ville, t'es un Christophe, il est comme moi, hein, on est emmerdé. Ah, ça, c'est pas possible, moi. C'est-à-dire, il y a peut-être aussi la Garonne qui mène un petit peu pour la propagation. Oui, mais c'est Rémi, je l'aime ça, mais alors, chuchoté, Coyote, c'est pareil. Daniel, de l'autre côté, là, c'est pareil, je l'ai entendu parler, mais je comprends à moitié. Et il n'y a que sur la rive gauche que j'entends, mais encore, voilà, sinon, rive droite, c'est même pas la peine. Hein. Et par contre, ton collègue de Bonfils, je l'entendais vraiment petit, mais je l'entendais quand même, hein. Oui, mais d'habitude, il arrive plus fort que ça, et puis, mais non, mais c'est la propagande, il ne faut pas chercher avec la merde que t'en as, et puis voilà, hein. Ah, mais ça, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça c'est sûr, parce que, même moi, en mobile, hein, il va à gauche, il va à droite. Il y a des fois, tu t'entendais à je dis, dans le camion, j'ai fait des cuissons jusqu'à Perpète, et puis il y a des fois, mais tu t'entendais même pas de kilomètres. Ouais, c'est ça. Vas-y, reprends, oui. Ouais, non, mais je vais lui répondre, oui Thierry. Ouais, non, mais c'est exactement ça, hein, Claude. Hein. Moi aussi, hein, je suis en pleine ville. Hachi, je suis en plein centre même.
le temps, quoi. Qu'est-ce que vous avez des parasites électriques ou quoi? Alors moi de mon côté ça va, là pour une fois j'ai de la chance, j'ai pas au niveau du signal j'ai pas un QRM. Bon j'ai un bruit de fond qui est là, mais ça bon c'est pas grave, c'est pas gênant ça. C'est la radio quoi, tout simplement. Oui, retour Thierry. Ouais, moi c'est pareil, j'ai pas un bruit, c'est calme, j'entends bien tout le monde, hein. C'est comme ça. Eux là-bas du côté Bordeaux, mais voilà. Voilà, ils nous entendent pas. Pourtant nous on les entend bien, mais ils nous entendent pas, voilà. Ils doivent avoir une frontière. Mais par contre, toi Thierry, tu passes des cartes, hein, moi je t'entends hyper bien, hein. Et qui a la principauté de Montferrand. Ok, c'est normal. Et pourtant, je te dis, normalement l'antenne, j'aurais dû la monter à 6 mètres de plus. Mais, je sais pas, le gars qui voulait me vendre les mains, il a pas voulu me les donner, alors. Oui Christophe, je t'ai entendu derrière. Oui, bon là, ça redescend là, c'était avec Coyote, c'est super Coyote. Je t'entends Christophe, je t'entends, voilà, c'est pas fort, mais je t'entends quand même. Hein. T'as raison, hein, mais moi là, je vais le faire moi, Coyote aussi. Là. Ouais, ça diminue, là, ça fait un ou deux points. Ah moi je n'entends pas que tiens. Après on dira qu'on laisse pas de blanc loin. Ah là, c'est le dernier passage, j'ai eu du mal à te sortir, là, Christophe. Thierry, t'as compris ce qu'il a dit, hein? Ah, j'ai pas fait gaffe. Non, oui, Christophe, qu'est-ce qu'il est? Il a un attentat, là. Ah, mais non, mais j'ai pas fait gaffe, parce que le chien Moyon, au même moment, j'aurais dit ce qu'il faisait, ce con, là. Voilà, ben, moi, je l'entends, hein. C'est petit, je l'entends. Mais je vis. Oui. Une question à te poser, est-ce que tu mets exactement la même chose qu'avant ou alors tu as vraiment ralenti là? Là, je suis. Tout est enlevé, hein. Tout est enlevé, je suis qu'avec la puissance du poste, c'est-à-dire le même que le tien. Ouais, donc c'est pas comme avant. C'est pas comme pendant une période. Ouais, ben voilà, mais je vois la différence, hein. Ah ben oui, j'ai deux fois moins. Ben oui, parce que avant, comme tu étais avant, c'était autre chose, même la radio était beaucoup plus percutante. Mais depuis qu'il y a eu le petit souci, c'est ça? Oui, attends, justement à propos de micro, je vais faire un test. Je change de micro là. Ok, voilà, ça donne quoi là, Eric? J'entends un petit peu plus fort au niveau radio, mais c'est pas quand même comme avant. Avant, on voit qu'il y a quand même, il manque quelque chose. Pourtant, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'au niveau. Si, ça grimpe comme il faut. Là, tu vas rire si je te dis avec quoi je suis là. Les mêmes conditions que tu avais au début quand tu as commencé. Ah, au début, ça dépend à quel moment. Là, pour le micro, là, j'ai sorti le micro d'origine pour mettre un micro de Superstar 3009 à la place. Et là, je suis qu'avec le poste. Voilà, c'est juste avec le poste. Ah ben oui, mais c'est pas comme dans les conditions, c'est bien là, c'est bien suivi, donc ça se ressent. Ben, ouais, je sais bien, mais bon, de toute façon, l'appareil que j'avais en plus est rangé, là. Il est dans un tiroir, là, pour le moment. Ben oui, mais c'est ce que je te dis, c'est pour ça, quoi. Et là,
ça se ressent drôlement même. Ok, au niveau micro, tu préfères celui-ci ou l'autre d'origine? Là, j'arrive à t'entendre un petit peu, mais après, c'est déjà pas de la propagande de mon côté. Mais avant, c'était vraiment, vraiment beaucoup plus confortable. Voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Ok, là, je suis revenu avec le micro d'origine. Qu'est-ce que tu préfères, celui-ci ou l'autre? Je sais pas, tu sais, je vois une petite différence, mais bon, c'est pas flagrant. Hein. Ouais, ben oui, non, mais c'est normal, parce que l'autre, c'est un micro de Superstar 3009, micro d'origine. Hein. Donc, non, mais faut que je vois, là, pour. J'ai d'autres micros. J'ai d'autres micros, il faudra que je fasse des tests avant que je les règle comme il faut et tout, parce que bon, c'est des micros préamplis. Là, je peux pas en brancher un comme ça là de suite. Je sais que ça va faire. La modulation va être forcément dégueulasse. Si vous dites que vous m'entendez bien, moi aussi, oui, mais si vous m'entendez bien aussi, parce que je fais ce qu'il faut derrière, voilà. C'est pas la même chose que vous, hein, donc c'est pour ça. Si je l'enlève, vous allez voir la différence aussi. Bah, c'est du 55 de mon côté. Radio 4, Santiago 1, alors que juste avant c'était Radio 5, Santiago 5. Ben oui, je sais bien, mais bon, je suis bien d'accord avec toi. Mais il y a des fois, il y a des compromis à faire. Hein. Ouais, mais faut pas que tu t'arrêtes autour de la dernière fois, hein, parce que là, sinon tu vas plus t'en sortir. Hein. Ouais, mais non, mais t'inquiète pas pour ça. Il y a des OM qui m'ont retourné là, des infos. Et le seul truc que j'ai envie de dire, faut se méfier de l'eau qui dort. Oh putain la vache, c'est du Radio 5++. Ah, moi je vais laisser mon micro, mon super micro que je vais avoir. Ça va un peu. Ah, mais moi aussi, attends, laisse-moi monter le mien, tu vas voir. Et pour moi, c'est insignifiant le changement de micro de ce côté-ci. Il n'y a que pour Eric qui était descendu à 43 de ce côté-ci. Il y a notre copain de Bobby qui est en train de parler là. On lui laisse le micro. Merci Claude pour le retour de micro. Oui, je disais que pour moi le changement de micro, ça a été insignifiant, hein, donc on ne voit pas beaucoup de différence. Hein, voilà, du côté de Rémi. Et que pour Eric, oui, le signal avait énormément changé. Hein, c'était du 43 de ce côté-ci au lieu du 57, comme je l'entends régulièrement. Voilà, j'ai tout dit, mais je te repasse le micro, Claude. Bon, si le blanc on le laisse aller trop longtemps, comme ça il va se transformer en rouge. Hein. Comme un rosé. Oui, vas-y Thierry. Non, c'est pas moi. Hein. Bah, c'était le même signal. Ouais, c'est pas moi qui parlais. Hein. Ok, en avant le break. Comment est-ce que la Casare? Kazaki. Okay, attends, les 2073, tout le monde. Putain, Eric, ton voisin, il est pas là? On a parlé d'un dromadaire hier, ça tombe bien, 73 chameaux. 2351, ça m'étonne que tu m'aies pas reconnu sur le moment. Les 2713 à Tadendi, les 2713 à. Ça y est, à Eric, et les 2713 à Ocoyote. Ok, j'en place. Le chameau, merde, pardon. Ah, ok, on n'a pas fini, on a les gris, maintenant on a les chameaux. Et même encore, on est mal barré. Ouais, les 2713 à toi, là. Merci. Chameau, t'as des dromadaires avec toi ou t'es tout seul? Je suis tout seul, là. Je suis au pro encore, là. Je suis encore
ça, je vais pas pouvoir rester longtemps là. J'ai dit là, je vais en profiter pour la ronde là, d'y aller vite fait là. Mais c'est pour ça que je vais pas pouvoir rester longtemps là, voilà. Ok, oui Beltoise, retour de micro, tu as Chameau qui est avec nous là, qui est du côté de Castillon la Bataille en mobile. Et où est-ce qu'il est le Chameau? C'est celui qui est du côté de Pompéi là-bas? Putain, je viens de lui dire en plus. Il est du côté de Castillon la Bataille en mobile. Oh mais Castillon la Bataille, je connais, oui. Oh, oh c'est sûr. Oui, là-bas. Je reste à l'écoute là parce que là c'est pas la peine. Voilà. Dès que ça repassera un petit peu à Bropag, je me remanifesterai. Allez, je reste à l'écoute. Ok, mais si on se recopie pas, quand on vient le poignet de main, puis bonne soirée. Ouais, mais je reste à l'écoute. Ok, merci. Mais ouais, je pense que je dois le copier à ton ami là, de Bropag là-bas. Mais t'es con ou quoi? C'est pas mon pied qu'il est, il vient te dire qu'il est le Castillon. Et l'autre qui s'énerve. Oh, mais j'ai bien entendu ton copain qui t'a bon pied quand même. Des fois, c'est pas le corps, hein. Ben oui, mais attends, depuis tout à l'heure, il te dit qu'il est le Castillon, après tu parles de mon pied, après tu parles d'un autre. Écoute bien Et l'autre, il est en train de nous péter une durite. Ah non, mais c'est casse-couille, attends. Vaupuis, Castillon, la, non, c'est chiant. Donc, moi, je me barre, c'est pas la peine, hein. Parler comme ça m'intéresse pas, hein. C'est bon, reste zen, c'est bon. Ou alors, fume un pétard, je sais pas, tu seras plus zen après, hachi. Mais non, c'est pas ça, non, mais je suis calme, mais... attends, deux fois, tu lui dis, c'est Chameau, deux Castillon. Il te parle de mon puits maintenant. Mais attends, faut savoir. Vas-y à toi, Claude. C'est Chameau de Castillon. Oui, mais d'accord, le Chameau de Castillon. Oui, je ne me connais pas, moi, les gars. Il faut que je me réadapte à tout ça, moi. Et c'est pas que tu ne connais pas, mais on te le dit. Écoute les gens quand ils parlent, au moins. Voilà, et c'est pas que tu ne connais pas. Voilà, hein, il te dit qu'il y a de Vaupuis, Daniel est de Vaupuis, Chameau est de Castillon, voilà, c'est pas, quand même, il n'y a pas, même si tu les connais pas. Mais c'est pas grave. Oui, mais je connais Castillon, je connais Vaupuis, j'ai assez roulé quand même, je connais ses coins, mais écoute, moi je connais pas tous les gens, hein, j'ai énormément connu le gens sur le 275 en AM, mais là maintenant en BLU, excuse-moi. Ouais, enregistré derrière. Et l'autre qui pleure. Ça y est, voilà, oh putain, le bordelais qui pleure maintenant. Du Ricard. Non, mais je m'énerve pas, mais voilà,